Le coin est vraiment incroyable. Le spot, il est magnifique, franchement. Par contre, toi, tu me donneras ta crème anti-ride, hein, parce que t'es devenu sacrément beau gosse. Hein. T'es passé de papy à beau gosse de ouf. Écoute, si on change de perso à chaque fois... J'ai changé, moi. Je crois que t'avais pas de cheveux tout à l'heure, en vrai, si. Enfin, je sais plus. Non, c'était peut-être lui que t'avais. Honnêtement, je me souviens plus, déjà, alors. Bon, en tout cas, c'est pas flagrant, alors que toi, ça, c'est marquant, quoi. Comment tu détruis les souches? Moi, écoute, j'ai tapé à plusieurs reprises dessus. Ah non, mais faut laisser appuyer, ok. Attends. En gros, si tu tapes... maintiens le clic gauche, ça reste, ça tape en boucle. Ah ouais, c'est ça. En fait, si tu tapes normalement, ça tape pas dans le bon sens. Il faut maintenir le clic. Ok. Oui, Kelvin. Très bien. Je sais pas, je l'ai vu tout à l'heure. D'ailleurs, je sais pas si il a encore les cols d'avant ou pas. Donc du coup, il fallait qu'on change ça, la porte. Oui, c'est vrai. Je change de place. Parce qu'il fallait que je te parle d'un truc. Dans le menu du jeu, il était affiché que si on restait appuyé sur I longtemps, ah oui, c'est vrai. On avait le sac à dos qui apparaissait. C'est très bizarre comment on le tient, le bail. Hein. Oh, non, mais c'est par très contre, là... con, comment tu le dis. Attends. Oui. Mais par contre, là, je reconnais que c'est pratique. Et là, tu fais juste un clic. Ok, non, en vrai, c'est pratique. Le ouais, là, c'est bien. C'est... Okay. Oui, puis donc, en plus, raison avec, t'avais raison avec le sac à dos, où il fallait bien mettre les trucs dessus, mais c'est juste qu'on savait pas l'utiliser, quoi, après. Ouais, c'était pas... Joué. Bon bah écoute, je vais dire à Kelvin de nettoyer un peu la zone. Oui, clairement. Par contre, j'aimerais bien le remettre dans le bon sens, mais... Okay, mais ce que je disais dans ce sens-là, la porte, j'arrive pas à la mettre. Bon, en fait, je pense que pour la mettre dans le bon sens, tu regardes tout simplement le sens, non? Dans lequel tu veux le mettre. Eh bah oui, c'est justement... Mais là, par exemple, je peux le mettre ici. Ouais. Hop, mais là, il est pas dans le bon sens. Et si tu regardes de l'autre côté? Et justement, j'arrive pas... Ah si, c'est parce qu'en fait, il faut que je vise le côté et pas le bas. Bon, okay. Kelvin, par contre... C'est bon. Ah non, bah, quoi? Mais il se fout de moi. Bah attends, alors, mais... Il y a peut-être un logo pour faire rotate, tu sais. Ou la flèche. La flèche vers où... Non, je sais pas. Bah ouais, je comprends pas comment... Ouais, je suis en train de regarder en même temps. Ou alors ça voudrait dire que les rondins sont déjà dans le mauvais sens, mais alors là... Ouais. Ouais, je comprends pas le système là, du coup. Je peux faire un outil de réparation. Il me force avec cet outil de réparation, hein, Michel. Je trouve que notre souris est très lente hein, dans le menu, c'est fou. Dans le menu de craft. Dans l'inventaire? Ouais. Mmh. Ouais, l'inventaire, pardon. Je suis assez d'accord. Il clean bien, hein. Derrière, je vois la POV, c'est magnifique. Hein. Ça nettoie. Ouais, il est en train de tout déforester, c'est trop bien. Il m'a dit combien de mètres? J'ai dit 20 mètres. Il y avait 5, 10, 20, je crois. J'ai dit 20. En vrai, je pense qu'il faudrait mettre au moins des piliers, au moins sur les angles, pour que ça soutienne au moins le toit après. Waouh, il y a tellement de structures en fait, c'est... Ok, bah écoute, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Il y a des rondins qui volent dans l'eau. Bah si tu veux, commence à faire tous les murs. Hein. On commence à faire les murs? Allez. Je sais ouais, même moi plus comment ils étaient placés. Ouais, moi je vais sur la porte. C'est tout simplement en long? Ouais, par terre. Ouais, par comme terre, ça comme ça, voilà, exactement. Okay. Tu les mets en long là, et ouais, bon, c'est tout. Y a rien de compliqué. C'est très agréable, le craft, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, alors j'aime bien aussi, mais... Il y a des moves comme là où je suis actuellement qui sont complexes. Ah. Mais alors, à moins que cela soit foutu... Ah, il y a toujours le problème, quand il y a une bûche dans l'eau, pour la récupérer, c'est compliqué. Hein. Ouais, faut que tu nages et que tu la pousses, en fait. Ouais. Horse. Oui. Va dans... Attends, c'est pour tout le monde, là. Échappe. Dis-moi, échappe. Jouabilité. Tout mode en bas, tête. Mode grosse tête activé. Je viens tu de le faire à l'instant. À l'instant. C'est très... Mais quoi? Salut. Mais quoi? Regarde derrière toi, il y a la nana. Elle est dans... Oh. Mais quoi? Et elle danse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est qu'elle a peur de nous parce qu'elle nous connaît pas encore. Oui, mais non, mais c'est pas ça le problème, c'est les têtes le problème. Eh, mais là, on se voit tout de suite, hein. Mais pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est devenus des Funko Pop. En toi, ta tête, elle a pas trop changé, t'avais déjà un peu la grosse tête, mais eux. Bah, respecte-moi par contre, c'est quand même des limites. Reviens là, madame, on va te nourrir. Bah, elle est partie parce qu'elle a peur. J'avoue, on peut peut-être lui donner des trucs, en t'as raison. En même temps, vu nos têtes actuelles, je comprends qu'elle ait peur. Hein. Oui, par contre, tu m'étonnes, voilà l'angoisse. Je l'ai vu de loin.
Je pense que je vais abandonner ça, tant pis, je vais gaspiller un peu, mais je vais réutiliser des bûches entières à mon avis, et je vais essayer de refaire la porte comme ça. Hein. Si je vais replacer veux. Un truc là pour faire la porte. Parmi les têtes en normal. Comme ça. Ouais, je vais le remettre en normal par contre, parce que... Attends, regarde, coucou. Quoi, attends. Eh. Je te vois quand même. Bonjour. Non mais c'est ridicule par contre, c'est incroyable de l'avoir vu. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Bah, ça m'a interloqué. Vas-y, mais il m'a tout cassé. Quoi? Il m'a cassé ma construction. Ah mais il a fait tomber un arbre ou quoi? Oui. Ah oui, bah juste avant il a fait pareil. Mais tu sais que juste avant je me dis mais c'est bizarre, c'est déconstruit alors que j'avais tout construit là. En fait c'est qu'il fait tomber des arbres. Non mais il va nous tuer surtout, mais regarde. Tu sais que tu peux le désactiver dégâts, c'est dans jouabilité, au-dessus de grosse tête qui a désactivé les dégâts genre par les arbres et tout. Ah ouais, ouais. Bon, en vrai, c'est... On ouais, va le laisser, c'est RP. En fait, c'est RP, c'est bien, mais par contre, j'avoue que s'il fait que attaquer notre base, ça va vite nous saouler au bout de monde la reconstruire. Ouais, je vais vite m'énerver. Ouais, je pense que... Ça va vite dégénérer. Hein. Ouais, après, il ferme beaucoup, donc j'avoue que je le tuerai pas, mais c'est vraiment la seule raison, quoi. Rappelons-le, on peut le tuer apparemment. Pareil, il faudra qu'on regarde un peu les crafts qu'on a, si on peut faire des petites clôtures toutes mignonnes. J'ai vu qu'on pouvait faire des clôtures avec des brindilles. Ouais, ça j'avais vu aussi, donc je voudrais voir comment on les fait, tu vois. Ouais, je crois qu'on peut faire du feu. Tu sais quoi, je vais nous faire un truc là pour allumer. Attends, c'est quoi ça? Alors ça, si je puis me permettre, c'est pas un corbeau. Ce bruit est bizarre, hein. C'est pas notre pote, ça. Enfin, je vois de la lumière. Non mais oui, je suis à côté d'elle, mais je sais... À côté d'elle? On ne voit rien en plus. Bah ouais. Quoi, tu vois une bestiole, toi? Bah... Ah non, c'est... C'est Kelvin. Mais attends, mais le bruit venait vraiment de Kelvin en fait, hein. C'est bizarre. Non, il venait de là le bruit, non? C'est déjà mieux. Mais oui, du coup, on disait les petites clôtures avec des brindilles, on pourra faire, mais il faudra voir comment. Mais après, faire les trucs avec les pics aussi, bien sûr. Ok, j'entends encore. Hein. J'ai entendu aussi. Il y a quelqu'un qui est autour de nous. Qui rôde. Mais après, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir si on peut pas faire des pièges comme dans le 1 ou ce genre de choses. Ouais, des trappes et tout, ça peut être sympa. Non, je crois que c'est toi, ouais. Mais t'as mangé quoi? Bah là... Attention, l'indigène, regarde, il est juste là. Bah j'ai mangé le, attends, le poisson pourri. Il a envoyé un truc, hein. Bah sur Kelvin. Parce que Kelvin, vous il envoyez... a bougé. Oh non, Kelvin! Qu'est-ce qu'il y a? Il est en feu. Quoi? Il est Kelvin, en feu. Kelvin. Il est passé sur le feu. Ah, mais il est con. Attends, aussi. Retourne couper du bois. Attends, c'est quoi que tu lui avais dit, toi, nettoyer, c'est ça? Ouais, nettoyer la zone, mais c'était 20 mètres, je sais pas s'il a tout nettoyé. Bah, quoique oui, il fait des tas. Ouais, du coup, vas-y, 20 mètres, je pense qu'il est, il a de quoi faire, vas-y. Vas-y. Est-ce qu'il est prêt, lui, ou pas? On va dire que oui. C'est très satisfaisant, ce qui se passe, là. Et le fait de couper agréable. Tous les arbres autour, aussi. Là, tu vois, il y a l'indigène qui continue de rôder autour de chez nous. Le fait de couper les arbres, il pourra plus monter, déjà. Oui, ou peut-être que c'est ça qui prend mal aussi, le fait qu'on coupe ses arbres. C'est vrai, ça, t'as raison. Est-ce que ça te dirait pas de mettre un toit? Il est juste derrière toi. Ouais, si, justement, là. Je voudrais faire le toit, mais... En fait, pour faire le toit, on n'a pas fini déjà le mur à côté, ça aurait été bien le faire. Et pour faire le mais toit... mais j'ai cru qu'il était fini. Attends, bah j'y vais. J'ai cru qu'il était terminé, c'est pour quoi... ça. Oh, regarde ce que j'ai fait. Attends, j'arrive. Oh! Vous êtes trop stylé. Mais laisse soutenir. Comme ça. Mais par contre, ça va m'aider à poser le toit pour le moment, et ensuite j'enlèverai cette poutre, je pense. C'est trop bien. C'est trop bien, ouais. Parce que là, en fait, il faudrait que je le coupe pour couper le petit bout, de manière à ce que ça fasse un truc en diagonale pour faire un toit en diagonale et que ce soit joli. Alors, dans le préfab, regarde, je me permets, hein. Je la pose comme ça, tu regardes, mais on l'enlève. Tu la veux comme ça, en fait, le toit? Bah, c'est l'idée, oui. Après, moi, je voulais le faire dans l'autre sens, mais... Oui, non, mais c'est... Oui, j'avoue qu'on aurait pu le faire là-bas. Mais c'était l'idée, oui, c'était de découper les bouts. Mais en fait, on peut pas les découper, nous, j'ai l'impression, là-bas, ou je sais pas trop. Ok. Oh, regarde ce que j'ai fait. Voir. What? Mais laisse-le. Regarde, c'était ça de base. Et ici, j'ai mis un petit morceau. Il est passé par-dessus, Kelvin. Ouais, ça sert pas à grand-chose, mais... Bah, faudrait mettre une lampe, en fait, mais... Ouais, c'est ça. Je peux la mettre, la lampe. Je sais pas qu'on en est. Mais ah bon? Bah alors, je peux mettre la lampe, mais j'ai pas ce qu'il faut pour la crafter, la lampe. Ah, bah attends, je vais laisser ça, alors. Hein. Parce que regarde, à côté de la porte, il y a un petit bâton. Mais il manque en fait juste un tissu pour pouvoir allumer après. C'est une lampe murale que j'ai mis. Ok.
Bon bah écoute, on a juste une porte à l'envers qu'on n'arrive pas à mettre à l'endroit. Ah oui, elle est là, ta lampe, ok. On a un toit qu'on n'arrive pas à faire comme on veut. Ouais, bah mais ça, c'est, okay. C'est des petits détails, après, tu sais. Non, mais on va faire un toit plat, alors, ici, et... Au pire, on commence par un toit plat et on verra si on peut l'améliorer plus tard. On peut faire une petite jardinière aussi. On va mettre ça. Ça peut toujours servir. Comment on fait un toit normal, du coup, là? Oh là là, je ne sais pas. Il faut que je fasse un truc comme ça. Ah non, mais en fait, il me faut un pilier. Non, je sais pas. Dis-toi, je sais même pas faire un toit. C'est des choses qui arrivent. Tellement pas pratique, en fait, de retrouver les trucs, là. Oh là là. Par contre, mon perso, il a besoin de se reposer. Il est pas bien. Je sais pas pourquoi. Il a la fatigue qui clignote. Oh, viens voir. Il y a deux mecs stuffés. Et il y a Kelvin qui me les montre du doigt. C'est comme ça que je les ai vus. Ah oui, mais hein, qu'est-ce que t'as mis là? Oui, bah c'est peut-être ça qui leur a pas plu. Bonjour. Alors nous. Attends, sommes... par contre, il a pas déglingué la maison. Bah, faites pas. Ah non. Non, t'inquiète, il marche. Par contre, eux, c'est clairement pas la même faction que les autres. Hein. Ouais. Pour l'instant, ils nous veulent pas de mal non plus. Hein. C'est ça. Oh là là, dans quelques jours, on va se faire ouvrir, par contre. Ils montent dans l'arbre. Ah, eux aussi? Ah oui. Ouais. Ils sont tous forts. Et c'est Kelvin qui m'a montré. Je montrais Kelvin et du coup... Enfin, je regardais Kelvin, il me l'a montré du doigt. On va te viens voir. Quoi? Non mais attends, mais il se fout de moi, là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il vient me voler mes... Ouais, parce qu'il les range, en fait. Il met tout ce qu'il y a autour. Ouais, mais il me vole, en fait. C'est du vol, je là. Je suis en train de placer les trucs, il vient me les voler. Mais ça, il est rancunier depuis ce que t'as fait tout à l'heure. Faut pas s'étonner. Hein. J'ai rien fait. Rien fait. Je suis gentil, moi. Il y a un séchoir à linge. What? Je vais le placer. On découvrira ce que c'est. On peut faire des ponts et tout, t'as vu? Ouais, j'ai vu. C'est ouf. Des trucs avec les cordes et tout. C'est très satisfaisant. Hein. Est-ce que c'est neuf? Horse. Oui. Je suis pas sûre de moi, mais je te jure, je crois avoir entendu une flèche qui est passée juste à côté de mon oreille. J'ai fait une tête. Là, il y a un mec là-bas. Ouais. J'ai entendu un bruit, je te jure. Ok. Je sais pas ce que c'est, ça on peut accrocher des trucs, Horse. C'est pour faire sécher. Le linge, c'est écrit, c'est très bizarre. Je pense que c'est la bouffe. C'est peut-être mal traduit. Oui, je pense. Ça doit être un séchoir ouais, pour la nourriture, je pense. En fait, ouais, la custom, elle est bien. Et quand tu veux commencer à faire des trucs un peu techniques, tu te rends compte que... C'est limité. Bah, tu peux pas, en fait. C'est-à-dire que là, je veux juste faire un escalier dans la maison. Et j'ai l'impression que je peux pas, en fait. L'escalier, parce il y a le tuto pour le faire, en plus. Ouais, mais je vois comment il faut le faire, sauf que je ne peux pas le faire si... Alors déjà, manque il y a de place peut-être là aussi. Hein. Non, c'est pas ça, c'est juste que en fait, pour le faire, il faudrait que j'enlève les poutres ici parce que je dois les mettre au même endroit que là. Mais ça veut dire que je peux pas mettre de toit, en fait. C'est... Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est trop bien de pouvoir décaler les trucs comme on le veut. Genre les enlever, les remettre. Ah bah y a un côté trop satisfaisant. Ah, tu sais que tu peux te permettre de faire des tests au moins. Mmh. C'est que j'avais mon idée précise et qui pour moi aurait dû pouvoir être faite et j'ai pas l'impression. Non, j'ai prisé mon bois en deux. Moi, je voulais le planter. Non, je le plante. Moi, je vous fais des trucs. Tu vas être au top du top. Hein. Tu vas voir. Comment tu fais les trucs en brindilles, là, du coup? Oh, est-ce que la viande... J'ai une question. La viande que tu veux mettre sur le séchoir, je sais plus. Faut la cuire avant ou pas? Logiquement, non. Oui, hein, c'est ça. Ok. Ouais, mais c'est ça, t'as raison. C'est juste une erreur de trad. Hein, parce qu'on peut mettre la nourriture.
Bon, après ça, je peux en faire facilement. Logiquement, il y a plein de trucs à casser. Tu peux demander à Calvin d'en faire. Oh, il y a la dame. Elle est revenue. Derrière toi. Ah ouais. Bah on va bonjour, la laisser madame. Venir, on va pas la... Ouais, allez, je vais essayer de pas trop bouger. Hein. Oh, mon perso va se réévanouir, ça recommence, vous êtes fatigué. Et ça y est, reparti. Et c'est peut-être parce qu'on a des armes en main, tu sais, et la peur, et du coup... Peut-être. Est-ce qu'on peut l'enlever si on laisse appuyer comme ça? Non. Il y a plein de tortues, je vais les dépiauter et on va les manger. Je sais pas pourquoi ici il y a... Ça me fait mal au cœur pour ces pauvres tortues, mais bon. Alors... Chouk. Je sais pas si c'est par rapport au craft que j'ai fait tout à l'heure. Mais en bas, ça me dit en boucle récupérer crâne, récupérer tissu. Je sais c'est pas si c'est ce qui te manque pour tes crafts. Ouais, c'est le. Ça. T'as placé des trucs, moi aussi je l'ai. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pense. Parce qu'en fait, t'as placé des trucs là tout à l'heure, mais il manque des choses pour les crafter et c'est ça, je pense. Ok. Mais non. Mais Calvin, tu t'emmerdes pas là? C'est pas pour toi que je l'ai fait, ça! Oh, mais c'est trop marrant! Mais oui, bah, j'ai fait un fauteuil et lui, il va s'asseoir! Mais oui! J'ai fait deux chaises pour nous et Calvin, je vais lui faire après! Mais du coup, je suis en mode... le mec, il se pose au KLM. Tiens, n'hésite pas à manger parce que ça va... Ça va tu nous as fait un beau feu et tout! Ah oui, t'as vu, j'ai... Ah ouais, avec le petit séchoir et tout à côté. Sympa! C'est sympa, mais là, j'ai trop hâte. Mais attends, mais ce crâne, ce sera une lumière à la fin ou pas? Oui! Non, c'est juste un crâne? Non, si. Non, c'est une lumière, c'est pour ça que je l'ai mis. Ah, ça va être stylé de ouf. Regarde ici. Regarde les petits oiseaux qu'on a là. Où ça? Ah bah là, ah, oui. Au cabanon. Ah oui, je viens de voir, oui. Attends, mais la nourriture, par contre, j'ai du mal à la... Ah si, là. Ouais, donc t'as là, c'est bien la nourriture hein, que tu sèches. Ouais, c'est bien un séchoir, ok. T'as tout mangé? Bah, je mangerai une fois et... Est-ce qu'il y en avait trois? Mais dis pas que Calvin, il mange aussi maintenant. Franchement, vu ma barre de nourriture, j'ai pas mangé trois trucs, hein, je pense pas. Bah non, mais surtout que j'aurais vu l'animation. De la bûche, tu te rends compte combien ça va coûter le rempart? Il nous bûche faut masse de bûches. Des bûches. Les brindilles, je me les fais, tranquille. Calvin. Je les farm. Calvin, viens là. Parce que là, s'asseoir, ça va 2 minutes. Hein. Ouais, tu lui fais un fauteuil, ça y est. Hein, ouais, il a trouvé son nouveau job. Hein. Voilà. Des bûches à déposer ici. J'aime pas trop le truc de dépose ici parce qu'en fait tu peux pas te déplacer, j'ai l'impression, quand tu lui dis dépose ici. Du coup, pour le peu que tu viennes le voir et t'es posé dans un endroit pas ouf, bah il les dépose. Oh non, ce bloc. Ça va être compliqué hors ça. De quoi? Calvin, il veut pas. Il veut pas quoi? Ouais, il a du mal à travailler là. T'as entendu? Oh, ouais, j'ai entendu le piège. Le lapin, il s'est fait choper par ton piège. Oh! Bon, vas-y, je te laisse l'honneur de le récupérer. Avec ton piège, il marche bien. J'ai vu le lapin en plus courir dedans. Oh. Bah, j'ai le dépiète ah oui, le lapin. C'est vrai qu'on a lance. Oh. Ouais, ouais. C'est stylé. Bien joué, bien joué. Oh là par contre, là, j'avoue qu'avec le chemin que j'ai fin. Fait là, est-ce que Calvin il va passer ici ou est-ce qu'il va mais se il perdre? Mais il passe pas en fait, regarde ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Mais je viens de voir qu'il était bugué. Ouais. Déjà avec une chaise, alors j'imagine même pas avec ce que je suis en train de faire, ça va être compliqué, je pense. Ouais, là il me fait peur, Calvin, parce que là. Non, le mais tu sais ce qu'on va faire en vrai. Ah, ou alors je fais un plus grand. Attends, je vais faire une plus grande ouverture, moi, au cas où, déjà. J'arrive pas à construire ça comme je veux, ça m'énerve. Petite lacune hein, de construction, quand même. Ouais. Bah, c'est-à-dire que, en fait, là, mes... Comment ça s'appelle? Normalement, j'ai un petit trait en bas pour me dire l'espacement que je dois avoir entre chaque pilier, en fait. Ouais. Et là, il ne marche plus à partir du moment où je suis. Bizarre ça. Ouais. En fait, je crois que c'est l'herbe qui m'empêche de. Je sais pas. J'ai crafté un arc pour chasser.
Ah, il est là. Très difficile de trouver mon arc. Ah, je peux pas avoir plus de deux armes à la fois sur le sac à dos? Ouais, en fait, pour t'expliquer, c'est très simple. Normalement, d'un pilier à l'autre, ça me donne la trajectoire, enfin la portée max, tu sais, pour placer l'autre pilier, pour pouvoir faire mes clôtures. Ouais. Et sauf que ici, là, contre l'eau, en fait, ici, on peut plus. Il y a plus, ça veut plus l'afficher. Donc, ça veut dire que je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, je pense que je vais carrément l'enlever ici. Tant pis. Sachant que j'ai remarqué un truc, c'est que quand on court dans les clôtures. Alors je crois que c'est de ce côté. Non, je sais pas, c'est quand on court vite ou quoi, ça les casse. Ah. En plus de ça, donc ça tient pas super bien quoi. Ah mince, ah, c'est du fait maison hein. Ouais, bah quand tu cours vraiment t'as plus de clôture. Ouais, bon, donc c'est pas grave, on va le faire un peu en arc comme ça, on va pas faire de porte. Bon j'ai pris mon arc, il y a un indigène qui court autour, je vais pas le toucher lui. Je vais aller chasser de la bichette si je peux. Faut que je fasse un arc aussi tiens pour tester. Ça a dû me ruiner là. Eh ben... Je viens de chasser un écureuil, je te l'emmène tout de suite à cuire. L'arc, super. Tu viges avec la flèche, je confirme, c'est nickel. Ouais. Ah bah, ouais, c'est très... Toi, tu vas surkiffer, toi. C'est très simple en plus à craft. Je te fais ta petite viande tout de suite, t'oublies pas de la manger. Ouais. Tu sais quoi? Ne panique pas, je fais un test. Tu veux pas me dire ce que c'est le test avant de faire quelque chose qu'on pourrait regretter? Mais c'est trois fois rien. Allez hop, on a plus de base. Non, c'est trois fois rien. Quoi? Bah alors la prochaine fois que tu fais ça, je veux bien que tu me préviennes avant de ce que tu vas faire, comme ça je relance mon record. Attends, j'en ai une autre. Justement, viens. Viens voir, j'ai trouvé une technique pour déforester. Puisque Calvin est plus rapide que nous. On va lui montrer que nous, on déboîte. T'as fait tellement de bois par contre en vrai. Tu es prêt? Vas-y. À la une. En plein milieu et là on est bien. À la deux. Il y a masse de bois là en face de toi à droite. Là. Non, là. Il y en a aussi pas mal. Timber. Vache. Oh là là. Oh là là. En vrai ça marche bien. Eh, si t'en as sur toi, hésite pas. Hein. moi je vais peut-être les conserver mais... Oh, tout ce qui vient de tomber. Oui, non, il y en a vraiment beaucoup par contre. Hein. Ah mais attends, on peut emporter combien des bûches sur nous? À deux. Deux je crois. Ah bah quelle flemmarde je suis depuis tout à l'heure, j'en porte une par une, bah dis donc. Ah bah bravo. On va pas aller loin. Tiens, je te les balance. Bah Calvin, regarde, il est en train de courir après les bûches. Tu m'étonnes. Et après, on les coupe en deux? Non. Pour faire des pics sur le dessus? Non. Tu peux... Ah bon? En fait, on va toutes les placer comme je fais là, on fait le rempart, qui va être très long. Et ensuite, oui, on coupera, mais pas en deux, genre tout en haut, on va couper. Oui, la petite pointe, pardon. Oui, la petite pointe. Je voulais dire, c'est moi qui m'exprime. Mais avant de couper la pointe, on les place tous, ok? Comme ça, on est sûr que ça nous plaît. Parce que j'ai peur qu'en les replaçant, si on a fait un fail, que ça ruine un truc, tu vois. Ouais, genre qu'ils le replacent pas dans le bon sens ou quoi. Donc, pour pas qu'on en perde, je te propose quand même de les positionner. Par contre, si je puis me permettre, hein, vraiment, n'hésite pas. Hein, si tu as des grenades, je pense avoir trouvé la technique pour le farmer. Hein. Oh là, ça va être tellement long. Mais en vrai, oui, avec ta technique, déjà, on va gagner un peu de temps. Oui. Par contre, tu sais, je priais juste une chose, c'est qu'il n'y avait pas un indigène caché dans les bois parce que... Là, il allait pas kiffer, je pense que c'était la guerre, là, ça y est. Oui, je me suis dit, s'il y a une guerre qui se déclenche, on est foutu. Oh, ça fait tellement peu de bois que t'as placé par rapport à la surface à couvrir. C'est qui balance le bois, là? C'est toi ou c'est lui? Bah, c'est moi, là, qui le lance. C'est toi? Viens ici, s'il te plaît, faut qu'on parle. Viens là. Viens, purée, regarde, t'as balancé de ton bois. Oh, merde. Comment on fait pour dormir, maintenant? Je m'en occupe. J'entends ces bouts de bois et tout, je me retourne, on n'a plus de maison. Mais je m'en occupe. Je gère la situation. Ouais, ouais. T'inquiète. Et comme ça. Là. Voilà. Chercher un petit peu de bois, je reviens. C'est trois fois rien. Attends, mais t'en avais un juste à côté. Ah ouais? Oui. Tu le remets? Bah je vais le faire, ouais. Ouais bah je vais lancer un peu plus loin, c'est bon. Il y en a qui réparent quoi ici. Ouais bah moi j'étais jalouse, d'accord. Je me suis dit c'est lui qui a fait la cabane, mince à la fin. Oui. Moi aussi je vais faire des trucs stylés. Et je vais le mettre là comme ça. Par contre... Non mais c'est abusé la violence là. C'est très très loin. Après on a fait une grosse partie hein, déjà.
Ouais. Mine de rien, tu n'as pas fait un petit truc hein, quand même. Ils nous ramener le cadavre, comme ça on va le découper et on leur fera comprendre qu'on se rapproche pas de chez nous. En plus, on avait besoin d'un crâne pour faire la lampe là-bas. Ah oui, t'as raison. Il y en a un qui court après. Écoute, je vais prendre mon arc. Et c'est le moment de montrer mon skill. J'avoue que j'ai toujours pas d'arc moi par contre. Mais toi, par contre, tu vas te faire kiffer, il faut que t'en craftes un. Oh, il frappe Calvin. Ah oh, non. Sérieux. Calvin, il est à terre. Je le relève, je le relève. Ouais, super l'arc, je pense que je sais pas mettre des têtes. Vas-y. Là, faut arrêter. Hein. Avec la hache, tu peux parer si jamais. Ok. Je suis pas avec, mais... Justement, je voulais switcher pour le découper. C'est cher à faire ou pas l'arc? Non, c'est pas cher. Il y a deux brindilles, je crois, une corde. On va plus les découper comme avant. Ah, ou peut-être faut attendre que... Ah non, c'est bon. Tiens, t'as ta tête, si tu veux, pour la mettre là-bas. Ah, mais c'est en os qu'il faut. Alors attends. Ah, elle est pas bonne, là. Bah, je vais la mettre dans le feu. Il me la faut en os, là, elle est pas en os. Ah, ça y est, il recoupe du bois, lui. Ah bah, trop bien. Ah bah voilà, il fallait une gifle et c'est reparti. Il suffisait de découper une tête et c'est bon pour lui. Ah, on aurait dû prendre Michel et le mettre au feu. Faut les mettre au feu pour récupérer directement leur... Ah, les os. Ouais. Ah ok, ben l'autre comme il à la est... bonne vieille époque, on va se faire non, mais plaisir. L'autre, hein. L'autre, tu peux le mettre au feu. Hein. Ouais, je le vois. Attends, t'as pu mettre la... J'ai pu mettre la tête. Oh bah c'est nickel ce que t'as fait là. Ah, mais ça marche pas là ce que j'ai fait si. Si, il crame, regarde. Oh, il a ses vêtements qui crament. Mais la tête, tu l'as mis dans le feu comme de la nourriture ou tu l'as comme genre de la balancé nourriture, dedans. Ouais. Ah, donc c'était bien de la découper avant finalement pour avoir le crâne peut-être. Bah ouais, finalement. Je te laisse t'occuper de l'autre. Ouais. Je sais pas si on a peut-être des os comme ça. Comme t'as fait ou si on le jette direct. Attends, je vais le jeter direct, on va voir. Je pense que le crâne, il faudrait... Bah de toute façon, il faudra le découper après au pire. Non, si je on pense fait que le avant. Crâne, on récupérera direct aussi. Ou comme... Bah ça doit être comme dans le 1, non? Tu penses pas? Moi, je m'en souviens. Oh, viens plus voir bien, en fait. Viens quoi voir, c'est très intéressant. Très intéressant. Ah bah, c'est bien dommage. En fait, bah dommage, tu t'as raté. En fait, le mec, ouais. Je vais le reposer là. Le gars, quand il a commencé à cramer, c'est devenu un squelette. En fait, tu voyais l'état de décomposition du corps. Bah tiens, regarde. Mais là, j'ai des os, là. Regarde le mec, à tes pieds. Oh, ouais, mais il y a des os de partout, là. Ouais, bah on va ramasser. Hein. Par contre, la tête... Attends, mais elle, là, tu mets le feu à tes chaises, non? C'est ce que je vois, mais j'espère que c'est solide. Attends, l'arc, comment on le fait, là, du coup? Arc, c'est deux bâtons, une corde... Ah, mais ça va. Ouais, franchement, c'est pas... Alors, j'ai besoin de deux bâtons... C'est quoi? C'est lui, je crois, et une corde. Elles sont où les cordes, s'il te plaît? Ah, en haut à droite. En haut. Donc, ça, normalement, c'est un arc que je fais. Et les flèches. Par contre, la tête, elle crame pas. C'est très cher, je crois. Ah, tu vois, on aurait pas dû couper la tête. Là, j'ai eu le crâne. Ah. Mais il est là-dedans encore, tu l'as pas récupéré, c'est tout? Il est bah, dans ouais, mais j'arrive pas encore à le. Ouais, bon, mange-le. Oh! Ah, la petite lampe! Mais dis donc, c'est sympa. Je vois un arc tomber derrière en même temps. Si tu veux trop récupérer bien les os, je peux plus. Ouais, je pense qu'on pourra se faire des armures avec ça, ça va être bien. Ouais, je pense. Bah là, on doit avoir le petit qui clignote, non? Du coup, avec tout ça. Bah en bas, ouais, j'ai déjà des trucs en mode nouveau craft disponible avec ça. Ouais, c'est deux bâtons de cailloux. Mais elles sont où, les plumes? Il faut tuer des oiseaux. J'ai des petites plumes. Tiens, je vais te les donner. Attends, comment je te donne? Non, je sais pas comment te donner les plumes. Ah, le sac à dos, bouge pas. Si je te regarde, ah, oui. Attends, bouge pas. Ah oui, peut-être. Ah oui, vas-y. Je peux te donner des trucs. Alors attends. Tu peux encore là ou pas? Je peux switcher mon inventaire. Ouais. Mais alors attends. Parce que c'est très particulier. Bouge pas. Hein. Ok, mais, c'est bon. Merci. Bah déjà, je peux me faire... je sais pas combien c'est une par une les flèches? Non, je crois que ça te fait un petit slot quand même. 1, 2, 3, 4, je dirais, ouais. Oh, derrière toi. What the fuck? Attends, mais je l'ai vu passer. Attends, mais what? Il est très grand, ce monsieur. Là, il y a un monsieur avec un masque en or sur le visage. Il a l'air un peu énervé, hein. Ouais. Oh ah oui, le masque. Oh, il me démonte la gueule. Ouf. J'ai plus de vie, Ors, hein. Faut m'aider vite. Attends, j'ai plus de vie. Je sais pas où il y a mon arc. Lui, c'est le chef. Oh, comment ils te font comprendre qu'en fait, t'as fait une connerie? Il a pris une tête. Finis-le, par terre. Finis-le avec une arme de mêlée. Je savais pas qu'il fallait le finir. Je pensais que tu l'avais tué.
Ah, j'ai loupé. J'ai plus de PV, il m'a couché. Oh là là. Ok, on peut me respawn. Fais très attention, ils sont nombreux. Commence à comprendre le côté. Ils sont en train de tout casser là-bas. Oh là là, c'est nul ça. Je te relève. J'ai pas de vie, oh la vache. Ils aiment pas l'eau, je pense. Hein. Ouais, je pense, t'as raison, ils vont pas dedans. Le problème, c'est qu'il faudrait que je remonte ma vie. Et ici, je peux pas. Simon, c'est compliqué là, niveau vie. Bah, je commence à comprendre le truc de. Faut pas les énerver. Ouais, bah ça y est, maintenant que. Par contre, ils avec... ou... vont tout nous casser en fait, je pense. Hein. Mais attends, ce côté-là, mais là, tant qu'on a pas fermé, ça sent mauvais. Hein. Oh là là. J'arrive. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, au calme. Hein. Ok, il est où? Mais on peut pas faire des pièges comme dans le 1? Bah, j'aimerais bien parce que là. J'aimerais bien qu'il me rende les flèches, lui, surtout. Attention. Mais elle aura! C'est pas possible, elle le fait exprès, celle-là. Ah non, attends. Je suis au sol, tu peux me relever? Ouais, alors attends, parce que là, il est en face de moi. Relève-moi caché, crois... juste. Une gifle, je meurs. Ouais, mais normalement, tu peux rester dans l'eau et me relever, non? Je regarde. Ah ouais, en te regardant, là, j'y arrive. Oh! Quoi? Il m'a recouché un centre. Mais non, il va dans l'eau! T'es morte? Non, j'ai réussi à reculer. J'arrive, hein. Ah, bon? Ouais. Ah, j'ai un écran noir maintenant. Il a pas kiffé le double. Ok, je te relève. Ils ont pété la maison, je vois des bûches qui volent. Hein. Donc je pense qu'il y a des trucs. Ok. Ah, c'est chiant. Moi j'ai faim là, je peux pas manger mon. Ils sont en train de péter. C'est abusé par contre là. Oh! Mais c'est. Et Calvin dans cette histoire Bah Calvin il défend pas je crois. Bon je vais tenter de le buter là. Ah mais non mais il a cassé mon étage en plus. Ah mais, ah, mais quoi il fait trop mal. Mais ils ont tout cassé dedans. Il m'a mis une gifle. Oh il est mort ça y est. Il y en a un autre dedans hein. Ils ont cassé toute la base dedans. Par contre c'est horrible. On passe genre 2 heures à construire une base. En 2 minutes secondes, on a plus rien. Ils détruisent tout. C'est horrible. Si on se fait attaquer genre tous les jours comme ça maintenant, ça va être compliqué. Hein. Bah ouais, mais. Oh là là. C'est dommage, c'était si beau. En plus, bah, en fait, j'avais fait un accès magnifique. Au toit. J'avais fait un accès au toit de manière à ce qu'on puisse les taper, tu vois, d'ici, sans que eux puissent nous toucher. C'était ça le but en fait, qu'on puisse tirer à l'arc ou quoi en étant là-haut, tu vois. Ouais. T'as pas un outil de réparation, toi, tu m'as dit? Oui, on va le faire, mais... Okay, finis-le. Ah, il est pas mort. Ils sont jamais morts. Là, je pense que c'est bon, on va rentrer. Par contre, là, j'ai... Il y a une bourse en cuir. Ouais, bourse en cuir collectée, je suis d'accord. Je sais pas ce que c'est. Oh là là... Je vais mais tout de suite essayer de réparer ce qui a été abîmé, ouais, mais... Ouais, si t'as l'outil de réparation, je veux ouais, bien. Je fais tout ils ont tout cassé dans la base. Genre, même ce qui est pas détruit, genre, c'est en mauvais état, ça se voit, c'est gondolé et tout. C'est horrible, hein. C'est... horrible. En vrai, il y a beaucoup de bois là-bas. Non, mais lui qui revient et qui me casse la petite clôture en plus en passant. Là, c'était le coup de trop, la petite clôture. En fait, ce serait bien de pouvoir faire des pièges comme dans le Hunt, c'est pour les attirer dedans et qu'ils se fassent tuer. Ouais. Mais parce je sais pas s'ils y sont. J'ai pas trouvé où c'était. Et je me demande s'il y a pas un truc, peut-être, où faut débloquer les crafts. Peut-être, je sais pas. Moi, je me dépêche de vite finir la clôture. Ouais, du coup, moi, j'essaie de réparer. Et toi, vu que t'as l'outil, ouais, si tu peux juste réparer. Tu me fais un petit repair-all là. Ouais, je répare. Et en vrai, la maison, bon, bah, ça se reconstruira si on a les bûches. Mais le problème, c'est que les bûches, il y en a qui ont disparu, quoi. Il y a un autre truc. Tu te fais attaquer. Ok, je le vois. Ouais. Alors, attends. Et puis, j'ai pas des masses de flèches. J'ai mis une belle tête tout à l'heure, mais. Flèche. Non, j'ai plus de flèches. Ils sont rentrés dedans, c'est insupportable là ce qu'ils font, hein. Bah, en fait, la porte là, ils peuvent ouvrir, donc on peut pas les verrouiller. Par contre, à 2 sur 1, c'est pas mal. Hein. Ouais. Encore une bourse. Il lâche encore des bourses. Hein. Bon, ouais. Vas-y, on va les foutre à cramer, peut-être. Tant pis. Hein. Et on va se faire des armures bientôt aussi, comme ça on. Et t'as vu que le boss, il avait une. Un masque en or. Bah, tu as pu le collecter? Non, il l'a toujours sur le visage. Ouais. Et il avait une masse, une très grosse masse, donc je sais pas si on. Ouais, c'est vrai, ça, si on pouvait lui parce récupérer comme dans. Mais attends, par contre, ça m'inquiète parce que. De quoi, tout ce qu'ils ont cassé, ouais.
Ah bah super, Laura. Oh non! Non, non, c'est bon, il est pas mort, il est pas mort. J'arrive pas à le décrocher, Ors. Ouais, je sais. Oh, non, il faut le... Elle est coincée, la pauvre. Oui, bah attends, elle a peur. Je peux pas lui parler? Non, elle veut pas. Mais surtout que elle, normalement, dans le trailer, c'est pas elle qui peut avoir des armes plus tard? Si. Justement, de elle, toute façon, il y a des armes à feu plus tard, donc je pense que l'exploration va nous aider à tenir hein, aussi. Mais c'est juste que voilà, on voulait faire la base avant, ce qui est pas bête, je pense, mais compliqué quoi là. On a un problème, c'est que le mec est accroché, j'arrive pas à le décrocher. C'est, Non, mais à l'âche, je te dis, découpe-le à l'âche, je pense. J'ai peur d'abîmer la maison. Non, non, mais tu t'as pas à la limite de portée. Okay. En vrai, ça va, les normaux, ils se tuent quand même assez vite. Non, mais tu sais quoi, peut-être que quand on va dormir, ça va disparaître, ou quand on rechargera, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, répare, c'est prioritaire en vrai. Ouais. L'esthétique, c'est secondaire là. Là de suite, c'est la défense. Bon, après, c'est bien, ça fait un peu de challenge aussi. On n'est pas dans un jeu où on est là pour construire tranquille. Ouais, alors tu vois, contre, c'est extrêmement violent. Je m'attendais pas à mais ça. Mais par contre, oui, déjà d'entrée de jeu là. Fou. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à réparer. Hein. J'ai réparé deux trucs et. Bah, à l'intérieur, c'était gondolé de ouf. Je pense qu'il faut réparer. Hein. Non ah, surtout que le bois, quand tu le regardes, il est abîmé quoi. Et pourtant. Mmh. Oh, c'est passé dans le feu. Ouais. Mmh. Évite de coller la base tant que t'es enflammé, s'il te plaît. Genre, va dans l'eau, peut-être. Dans le doute. Va dans l'eau, hein. Tu brûles. Hein. Elle va mourir. I'm ok. Ah, ouais, d'accord. Pour le côté RP, tu peux même faire un petit sentier et tout. Elle tranquille. Est revenue. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle me court dessus? Moi, je t'ai rien fait, ma grande. C'est les pièges animaux. Attends, je vais m'équiper d'un truc à manger. Fais pas le con. Non, je l'ai bouffé. Pas vraiment de piège de ouf en fait. Oh, elle a pas doué. Elle a pas doué. Je voulais lui donner un truc à manger. Elle approche de toi. Ah, ouais, ça aurait été bien de prendre un truc dans la main à manger, mais je n'arrive pas à le faire non plus en fait. Bah ouais, moi je l'ai mangé du coup bêtement là. Donc, ou genre la gourde ou quoi, tu vois, mais. Tout à l'heure j'ai essayé de vite prendre la gourde. Attends, mais si elle revient. La gourde, je peux la prendre au moins. Tiens, madame. Même avec la gourde, elle a peur, je crois. Tiens, madame. Ah ouais, elle fuit, t'as raison. Il y a un moment où... Il y a un moment où ça va devenir compliqué. Hein. Non, mais on va peut-être la croiser. Il y a d'autres points d'intérêt sur la map qu'on n'a pas fait pour le moment. Oui, donc, bah, on a rien fait pour l'instant. Oui. Que tu te sens... Vas-y. De faire un rangement justement pour les bûches et un rangement pour les sticks. De ouf. Comme ça te change un peu, tu sais, au lieu que tu craftes. Enfin, au lieu que tu. T'as entendu? Ah, c'est le trap, c'est ça. Ah, mais donc tout à l'heure, c'est pas une flèche que j'ai entendu, c'est ce truc-là que j'ai dû entendre. Mais ouais, non, pour que. Hein, pour te changer un peu les idées. Ouais, bah, c'est cool. Que tu fasses pas que couper du bois. Mais... Je le mets là. Le problème, c'est que j'aimerais peut-être le mettre contre la maison et pas contre la palissade. Parce que si jamais il tape la palissade. Ah non, je suis d'accord, faut pas le mettre contre la palissade. Mais comme je veux, voilà. Ok. Les bûches, check. Bah attends, je vais essayer de le faire. Mais il me faut un outil de réparation. En fait, la base est cassée, du coup, il veut pas que je place mes trucs dessus. J'arrive. Je sais pas comment tu le fais, outil de réparation. Moi, c'est caillou, corde et un. Ouais. Et je crois un. Tu sais où que c'est cassé? Il y a un bâton. Bah je sais pas, là j'arrive pas à faire ma rampe et il y a un logo comme si c'était cassé, donc je pense que c'est cassé. Ah bah ça y est, non mais on dirait que j'ai réparé un truc quand même, je sais pas quoi. Ah ouais, là par exemple je peux pas remettre le toit parce qu'il considère que c'est cassé je crois encore. Bah ça te permet de voir en même temps comment l'outil fonctionne. Ah ouais, bah tu vois, là je vois pas le logo cassé, mais quand je tape dessus, effectivement, je vois que ça se répare. Je vois que ça change un peu de forme et tout. Et j'ai envie de nous faire une plateforme par la suite, hein, quand on pourra. Après, nous faire une plateforme au milieu de l'eau. C'est tranquille. J'avoue, hein, c'est pas bête. Hein. Pour être posé. Ça pourrait être une extend pour plus tard. On fait un petit ponton là, et même pas d'ailleurs. Si on veut vraiment être tranquille, on le fait pas. Du coup, on a dit réserve d'os, je le fais aussi, hein. C'est ça? Franchement, ouais. Okay. Parce qu'on est vite limité dans l'inventaire, donc ça permettrait d'en avoir en rab. Ouais, je suis assez. C'est ça, quand on va faire nos XP et qu'on va ramener des trucs, on pourra refaire plus d'armure plus facilement. Tu sais quoi, je vais en profiter, je vais mettre les os que j'ai sur moi et récupérer ceux qui sont au sol. Oh ouais, non, il n'y en a plus au sol. Ouais, carrément. Ah, t'avais tout pris? C'est que ça non. A des pop. Ah non, j'ai pas tout pris. Hein.
Oh, oh les boules. C'est pour ça justement qu'il nous faut du stockage. Ouais, bah... C'est exactement pour cette raison. Ouais, cette raison bien précise. Ouais, donc encore que là, une fois que le rempart est fini, les bûches, ça va être ok. Hein. Ah oui, oui, oui. Ce sera clairement plus le problème. Oh, mon pote, tu fais quoi là exactement, dis-moi. Tu fais quoi là? Sur ton iPad, je peux savoir? C'est quoi là du coup? Ça, c'est le nichoir là? Nichoir, ouais. Donc, je pense qu'il y aura là, des petits oiseaux qui vont se poser. Alors, je sais pas s'il faut mettre une plume ou si les oiseaux vont mettre des plumes ici. Non, je pense que c'est eux qui vont mettre des plumes. Par contre, j'espère que. Ouais, du coup, pour les flèches, c'est trop bien, ouais. Tiens, regarde, tu veux tester juste en dessous? Mettre une plante pour voir comment ça fonctionne le système? Vas-y, j'ai quoi? Normalement, il te montre si t'as des graines. Et moi, graines, ouais, j'en ai. Aloe. Tu mets ce que tu veux, hein, de toute façon, on teste. Ouais. T'as déjà récolté, toi, des trucs? Ouais, une fois que ça a poussé, ouais. Mais... Bah, j'ai déjà récolté une plume. Oh, regarde, il y a un oiseau qui se pose. Ok, bah, trop bien pour les flèches. Super idée. Je vais en faire un deuxième. Ça donc va ça, vite. C'est le stockage pour les os. Ah, ça, c'est pour les pierres que t'as fait? Ouais, j'ai fait pour les pierres, les bâtons et les bûches. Ah, mais attends, mais les os, ils se mettent avec les bâtons? Non. À moins que je me suis trompée. Que les os? Ah, je croyais qu'il y avait des bâtons. Mais attends, mais t'as pas fait les sticks alors, du coup? Il y a pas de rack pour les sticks alors, à si, ce moment-là? Là, il est petit. Je le mets, regarde. Ah, d'accord. Mais il est tout alors, petit. Moi, je croyais que c'était les sticks en bas, alors que ça fait partie du rack, ok. Ah, ouais, c'est en fait, stylé, j'ai mis bûches, petits bâtons. En parlant de bûches, t'as pas remarqué qu'elles sont remplies? Bah si, t'as géré... Ah, c'est l'autre! Alors, maintenant qu'on a du stockage, quand on lui dit d'aller récupérer des bûches, on peut lui dire de les ramener dans contenant. Et il les met ici directement, au lieu de les mettre n'importe où par terre. C'est trop bien. Alors ça, ouais, c'est super. Trop trop bien, c'est vraiment le feu. Ça, c'est le top du top. Voilà, je nous ai mis deux petits endroits. C'est vraiment génial. Hein. Donc on a vraiment bien fait de faire du stockage parce que, bah ouais, on va le faire remplir là et je vais en récupérer. C'est trop stylé. Il faudrait pas que je refasse un stockage encore à bûche, mais... C'est trop propre, hein, comme ça. C'est beau, hein, tout. C'est clean, hein. En fait, du coup, là, de ce côté, bah... Ah, je vais faire une petite visite, quand même, là, pour montrer aux gens, là, parce que c'est quasi terminé. Bah, je vais suivre aussi. Par qu'est-ce contre, qu'il fait par terre, faim, alors attends. Il se repose. Ouais, mais là, tu vois, on a, bon, le rempart, donc tout autour, il manque encore à aiguiser un peu. Ce côté, c'est le côté un peu... J'aime trop ce côté, en fait. Il est... C'est le côté chill et tout. Attends, je mange et j'arrive. Comme ça, je suis ready pour voir ce que tu me montres. Ouais, bon, après, c'est ce qu'on a déjà vu, mais je refais une visite un peu aux gens, comme ça. Mais t'as raison. Tu vois, que ce côté-là, c'est vrai, ce côté, je l'aime trop. Il est trop chill et tout, mais trop, trop bien. Et après, l'autre côté, bon, ce que t'as mis là, ok. Là, il faut que je finisse déguiser. Bon, j'ai le toit à terminer, mais... Pour la visite. Franchement, t'as fait un travail de fou, quand même. Oh là là. Attends, mais moi, j'ai rien, là, de mal sur moi. Eh oh. Bah, j'ai essayé tout à l'heure, mais ça change rien. Et donc, le toit, là, ça y est, on peut remonter. J'ai refait la rampe. Et je te dis, on voit par-dessus tout le rempart, ce qui est cool. Et le rempart, ouais, ce coup-ci, il va jusqu'au bout. Donc, ça y est, c'est terminé. En vrai, là, la base, je considère qu'elle est terminée sur le principal. Après, tu m'avais parlé de l'armoire à médicaments, mais on peut déjà la crafter ou pas? Oui. Dans le préfab, si je dis pas de bêtises. Et on a ce qu'il faut, alors, non? Ouais, c'est la bûche. Bah, vas-y, si tu veux la placer à l'intérieur, à la limite, comme ça, ouais, on le met dedans. Ça sera pas bête à l'intérieur. Soins. Ouais. Attends, on a des trous dans la toiture, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est normal, j'ai pas fini. Ah oui, d'accord, je comprenais pas. Ah, mais là, il va pas le casser, je crois, si je fais comme ça, faut que je le casse avant. Alors. Ouais, c'est juste que, oui, j'avais pas fini de combler, mais t'inquiète, là, c'est quasi fini, quoi, donc je considère que la visite, déjà, c'est pas mal. Je vais juste finir les petites piques, là, à côté et tout, là, avec ton armoire. Mais là, on a du stockage, on a une bosse qui est quand même stylée, qui est défendable. Elle est petite, notre maison, quand même, hein, mine de rien. Ouais, mais on a rien à y mettre dedans, quoi, donc on va pas se mentir, hein. Ouais, mais bon, après, pour les petits lits, les petits trucs RP. Bah après, tu me diras ça. De toute façon. Bah, les lits, ouais, font. Bon, ça passe encore. Je regarde le peu de place que ça prend, ça. C'est quoi? Ah, c'est des semi-bûches aussi qu'il te faut là, ok. Étagère. En plus, c'est pas qu'une étagère à mes. Je vais en mettre deux. Voilà. Comme ça. C'est bon, le toit est refini. Pas trop cool. C'est propre, hein. Et ça, du coup, je sais plus, ça, tu le laisses ou tu l'enlèves? Je ne sais plus. La petite rampe qui mène au toit. C'est pour nous donner un visu sur le toit, c'est ça? Je les récupère, ces plumes. Oui, c'est pour nous donner un visu. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir accès là. Ça permet... Ah, j'ai pas fait ici. Ça permet d'avoir accès...
Bah pour voir un peu ce qui se passe partout autour justement. Ouais, et c'est la première fois que je monte sur notre toit et la vue est magnifique. C'est cool hein. Ah ouais, c'est très cool. Je peux donner quelque chose à la femme? Donne-lui un truc à manger. J'ai rien à lui donner. Comment t'as fait? Mais là, elle s'approche de moi. Elle s'est approchée de moi en dansant en fait, en surplace. Elle faisait des petits ronds. Elle dansait un peu. Oh. Et là, elle s'est même assise à côté. Elle s'habitue à nous. C'est incroyable. Et je pouvais lui donner un truc, mais je sais pas ce que c'est parce que j'avais rien dans mon inventaire à lui donner, tu sais. Ouais. Mais voilà, regarde, si tu t'approches d'elle, là, tu peux lui donner normalement. Regarde bien. Bien doucement, quand même, au cas où, mais. Regarde, là, elle fait sa vie à côté de nous maintenant, ça y est. Ah ouais? Comment tu... Je crois qu'elle a vu qu'on était potes, et du coup, ça y est, comment on est potes avec lui donnes... elle. Moi, je laisse appuyer sur eux, il y a le logo. Oh. Super, c'est le truc derrière, moi. Ah, ça y est, j'ai le sac à dos. Ouais, mais du coup, j'ai rien à lui donner. Mais elle bouge, du coup, c'est difficile de lui donner. Bah, c'est surtout mais que moi, si j'avais tu fais rien dans R, tu peux lui donner. Oh, gun! Il y a des logos de gun et tout. Ah, mais oui, on n'a pas d'armes encore. Mais je t'ai dit, c'est oui, très voilà, particulier, en le système d'inventeur. Ah oui, d'accord, ouais, je viens de comprendre. En fait, oui, elle, on sait qu'on ses va pouvoir l'équiper. Elle, en fait. Et en gros, on va l'armer et elle va nous défendre, elle, je pense, après. Hein. Ça ah ouais, bon. Elle, par contre, on a intérêt de la protéger de ouf. Jamais tu l'attaques, elle. Hein. Genre, fais vraiment gaffe. Hein. Il faut vraiment pas l'attaquer. Mais c'est comme Calvin. Hein. Oui, mais bon, on sait jamais, tu sais, sur un fail ou quoi. Mais là, vraiment, jamais faut l'attaquer. Hein. Ouais. Parce que elle va nous sauver la vie bientôt, je le sens. C'est sûr. T'as pas l'impression que la couleur des feuilles change? On dirait qu'on est passé en automne. Ah, c'est vrai que... Je sais plus de quelle couleur c'était, ces sont... petits trucs. Ouais, mais... Ces petites feuilles, elles sont toutes oranges, là. J'ai pas du tout souvenir qu'on avait ça. Ouais, maintenant que tu le dis... Mais de toute façon, il y a les saisons, maintenant que tu le dis, puisque on sait qu'il va y avoir la neige et tout, donc oui, je pense qu'on est en automne, t'as raison. C'est trop stylé. C'est vraiment stylé. Par contre, c'est vraiment stylé. C'est la preuve qu'on a passé un peu de temps à construire quand même. Hein, mais... Ouais. On a passé une saison complète. Hein. Non, j'avoue, bah, de loin, on les voit. Mais c'est trop beau. Je t'ai mis là un petit tronçon de bois. Tu vois que je voulais couper en petite pointe comme toi. Et je me suis dit, bah, si celui-ci passe, autant en mettre un grand, en fait. Ah. Tu crois qu'il y a un grand qui passe, là, du coup? Oh, bah, je pense s'il lui passe. Et je me dis, peut-être celui-ci vont le passer, quoi. Donc, autant limite en mettre un grand. Je pense, hein. Je trouve que j'ai dit des bêtises, mais... Ah, bien vu. Ah, cool. Bien vu, bien vu. Ok, donc, il faut finir ton truc à l'intérieur. Il te manque quoi? Attends, t'en as mis deux. C'est juste des planches coupées en deux, de toute façon. Ouais. On va te finir ça dedans. Il t'en faut encore combien? Deux. Ah non, deux? Ah non, c'est trois après dedans. Ah non, mais il en faut plein. 5, 8, il en faut 8. Mais 8, donc c'est 4 bûches en fait qu'il faut. Ah, mais attends, mais qu'est-ce que je fais moi? Je les ai pas placées, Amy. Les couper en deux dedans ou pas? Ah ouais, là je comprends pas. Ah, mais attends, je comprends pas. C'est des demi ou quoi après? Ouais, elles se recoupent ou je sais pas, il y a. Ou alors j'en ai un infini sur moi, je ne sais pas. Attends, on les a dupliquées là? Ouais, je me demande, mais. Non, mais je pense pas parce qu'en fait elles sont plus petites, alors je pense qu'en fait on les découpe. Parce qu'en fait moi j'ai pas besoin de les découper, j'ai pris le truc direct. Ouais, moi non plus. J'ai posé. Oh, on peut mettre de la nourriture aussi dedans. Attends, mais j'avais des craquants. Ah ouais, en fait, je t'ai dit, c'est écrit étagère, donc je pense qu'on peut déposer même des molos, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais, R, on peut déposer... Ah, mais même des crânes et tout. Attends, mais quoi? Je pense que c'est vraiment des étagères fourre-tout. Hein. Je mets une cible en papier et tout, regarde. Tac. Une cible en papier. Je mets des bourses et tout, mais c'est trop stylé. Ouais. Pour ma part, en tout cas, ça va pas tarder à s'arrêter là. Par contre, il y a beaucoup de... Ah, mais attends, il y a plein d'indigènes qui arrivent, mais vu que c'est ceux à quatre pattes, on les a pas attaqués, donc peut-être que eux, ils vont même nous défendre contre ceux qui nous attaquent pour le moment. Nous défendre. Tant qu'ils sont là, on va peut-être pas se faire attaquer, quoi, en tout cas. Il nous a volé un bon, hein. Il se barre avec. Mais qu'est-ce que Marcel, tu fais quoi? Mais quoi? Mais attends, mais. Attends, mais qui t'es, toi, déjà? Tu fais partie de quelle tribu, là? Je t'ai jamais vu, toi. Et surtout qu'au bout Il me fait un signe pas très gentil. Non, mais vas-y, prends le bois. Mais prends-le, hein, y a pas de problème, on en a tout plein. Bon, par ils savent nager, en tout cas. S'il nous pique les... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est trop drôle. Ok. Je confirme qu'ils savent nager, ils font des pirouettes et tout sous l'eau. Mais ouais, je disais, je pense que nous, on va s'arrêter ici pour l'épisode. Mais non, il est mort que... Ah, donc il meurt au bout d'un moment. Ok. Bah ouais, on regarde. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attention à ta gauche, Ors. Donc en vrai, on sait qu'ils peuvent aller dans l'eau, mais ils restent pas en vie très longtemps dedans.
Bah, c'était une mécanique qu'il y avait dans le. D'ailleurs, dans oui, le c'est pour ça. Donc, on va conserver ce spot qui est trop bien pour ça. De toute façon, c'est pas anodin. Je disais, nous, de notre côté, je pense qu'il faudrait qu'on enlève toutes les souches d'arbres autour pour éviter que les arbres repopent ici et que si on les coupe, ça nous détruise notre base, en fait. Ouais. Tu vois, genre, je pense qu'on va s'atteler à ça, nous. Et on va s'arrêter, je pense, là-dessus. Parce qu'à mon avis, même avec le montage. Ça va être très l'épisode long. Va être un petit peu long, mais bon, c'est l'épisode spécial construction, on aime bien. C'est cool. C'est vrai que c'est des choses qu'on apprécie. Et je me fais attaquer par les petits. Les petits ? Je crois, ouais. Ah, et l'autre, elle est apeurée pour l'instant, mais parce qu'elle a pas d'arme. Lui, là, il et m'attaque. Quand elle va avoir une arme, je peux te dire, ça va partir. Mais déjà, rien que nous, quand on va avoir aussi des armes à feu, ça va changer.